Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, très très petite, vraiment minuscule vidéo qui va vous montrer comment résoudre le problème pour ceux qui sont sur PC et sur Call of Duty Modern Warfare. Pour ceux qui lag dès qu'ils lancent le jeu, vous voyez que ça rame de partout. Votre Discord lag, tout lag, tout lag, tout lag. Retour Windows impossible, quasiment impossible, etc. Et bien en fait, il y a une solution très rationnelle que j'ai découverte sur Internet et je voulais le partager avec vous en version française. Vous voyez un français qui vous montre cette vidéo. Et donc c'est très simple. Déjà, quand vous devez lancer le jeu en premier temps. Et ensuite, vous allez faire Alt Tab donc pour faire un retour Windows. Tac, voilà. Une fois que vous êtes sur le bureau, donc vous faites Ctrl Alt Sup. Donc gestionnaire des tâches. Ah, voilà, Ctrl Alt Sup, gestionnaire des tâches. Vous allez aller sur Détails. Et vous allez classer par mémoire. Voilà. Donc Détails ici. Mémoire. Et là, vous allez avoir, voilà, Modern Warfare. Vous allez faire clic droit sur modernwarfare.exe. Clic droit. Définir la priorité. Et là, vous allez mettre normal. Voilà. Tac. Et parce que de base, en fait, ça met haute. Et avec haute, ça va vous mettre, comment dire, ça va vous bouffer quasiment 6, 5 à 6 de mémoire. Pas pour tous les PC, ça dépend des configurations. Mais moi, si c'était le cas. Et vous voyez, donc là, ça, en redémarrant le PC, ça s'est mis en haute. Mais en tout cas, il a compris que c'était surtout en normal. Et donc vous voyez, je suis redescendu à 3,6. Et c'est pas terminé. Une fois que vous avez fait ça, donc déjà vous allez tout de suite ressortir les différences. Vous allez retourner dans votre jeu. Options. Graphisme. Et vous allez devoir cliquer sur voilà, l'image. Tac. Limite d'image par seconde personnalisée. Donc là, vous mettez personnaliser. Et vous cliquez sur avancer. Et vous mettez tout sur 150 à peu près. Pour ceux qui ont des écrans à 240 Hz ou 300 Hz maintenant qui sont sortis dernièrement, laissez tomber, le jeu n'est pas du tout adapté pour ça. Ça ne correspond pas du tout à Call of Duty. Mettez 150 maximum. Vous allez faire ensuite appliquer et vous allez comprendre directement que derrière, le jeu va beaucoup mieux fonctionner au niveau des retours Windows, votre Discord, moi je joue sur Xbox Live pour jouer, pour chatter avec des copains. Et ça marche beaucoup mieux. C'est tout, voilà. Donc j'ai pas fait d'autres vidéos pour l'instant, c'est pas sur l'utilisation du jeu. Donc c'était pour vous partager cette petite solution. N'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu, commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez d'autres solutions dans les commentaires, c'est très important. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.